Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. Alors rassurez-vous. Regardez autour de vous. Je suis certain que j'ai quelque chose dont vous avez besoin. Putain, belle histoire, je t'avais dit qu'il allait falloir qu'on discute toi et moi. Tu vas finir par te prendre un coup d'épée dans le travers de la tronche. Parce que je peux pas me mettre à côté là. Reste en dehors de ça, Lydia. Laisse-moi tranquille. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. Rassurez-vous, j'avais dit que j'allais continuer un petit peu à avancer justement l'augmentation de la forge. Qu'est-ce que tu fais? Comment il est? Il me lâche pas, hein. L'augmentation de la forge pour bah, du coup permettre d'améliorer armée et armure. Cependant, je me suis aperçu que voilà, ça faisait pratiquement deux épisodes. Donc le 88 et le 89 qui étaient assez plats en fait, assez calmes. Et là, je pense qu'un petit peu d'aventure, on en a besoin. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va y aller. Juste, il me reste une dernière chose à faire, parce que mine de rien, j'étais venu voir Bellator pour ça à la base. Il me reste des anneaux d'or à... Bah, c'est où? Tenue. Il me reste, voilà, 42 anneaux d'or à vendre. Donc, du coup, on va les vendre à Bellator. J'espère qu'il a refait son plein d'argent. Des babioles, des petites choses. Il a refait son plein d'argent. Bah, parfait. Alors, du coup, tenue. Non, ça, c'est dans ce que toi à vendre. Moi, c'est dans ce que j'ai à te vendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, con. Hop. Je ne sais même pas ce que j'ai vendu. Donc, système, hop, chargé. Oui. Ah ouais, non, il est hors de question que je me retrouve dans la merde. Bon, bref, du coup, on va voir Bellator, voilà. C'était juste en dessous des anneaux d'or. Des babioles, des petites choses. C'est dans les tenues, voilà. Anneau de furtivité minime. Bon, ça va, c'était pas la chose la pire, mais quand même, quoi. C'est, si j'avais pu l'éviter, ça aurait été cool. Hop, t'as 28 en vente en plus. Comment ça, avec 22 pièces d'or, il y en avait 750 il y a un instant. Mais what the fuck? Revenez donc. Attends, je vais attendre une petite heure, avec un peu de chance. Tout est à vendre. Bon, un peu... Bah, comment il a fait pour avoir 22 d'or? Je vous ferai profiter des meilleures offres. Ouais, ok, c'est bizarre. Il a apparu pourtant devant moi avec 750 pièces d'or, et là il en avait que 22. Bah, on va faire un truc, c'est que... Merde. Voilà, et on va le refaire. Ça l'a fait ? Non, ça m'a fait attendre qu'une heure, on est d'accord. Ah, voilà. Nickel. Donc là, normalement, il les a, ces pièces. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. T'as tout est avant. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Je peux lui en vendre 28. Alors, on a dépassé les 20 000 pièces d'or d'ailleurs. Revenez donc. Un petit F5. Travail pour Bellator. Passez chez Bellator au marché. Je suis sûr. Alors hop, hop. Voilà. Que nous aurons ce qu'il. Et hop, hop. Et là normalement on va pouvoir finir avec les anneaux d'or et ça sera nickel. Je travaille pour Bellator. Tout est à vendre. Un peu de tout. Alors, tenue, les 14 anneaux d'or, 364 pièces d'or en plus. Et c'est parfait. Alors, merci donc à toi, Bellator, pour ta participation substantielle. Qu'est-ce que vous regardez? Ce que je vais faire, cependant... Alors, vous m'excuserez, j'ai un mal de dos, mais monumental. À cause des petits problèmes de santé que j'ai. Alors, c'est fermé ici. Par contre, on a... Oh, on a personne ici aussi. On va attendre environ 18h. Ok. Vu l'heure qu'il est, ça devrait être bon. Je voulais juste faire un dernier passage chez la guerrière et la forge en haut. Pour acheter. Nous avons également des armes de taille plus réduite, ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Alors en divers minerais de fer. Les lingots de fer, je te les achète aussi. Lingot d'acier, pas besoin pour le coup. Ok. C'est un plaisir de faire affaire avec lui. Ensuite, on va faire pareil avec sa femme.
qui doit se situer juste là. Nickel. J'ai des articles. Épée, casque. Alors, à peu près tout ce qu'il vous faut. Lingots de fer, les 10, les minerais de fer, tout ça c'est bon. Oh, les bonites raffinées. Bah, je m'en fous si je perds un peu en thunasse parce que j'en ai besoin. Parfait ça. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur. Et du coup, si vous avez besoin de quoi que ce soit. On va se dépêcher d'aller voir à la forge ciel ce qu'on peut nous proposer en minerais. Ah, c'est cool, je peux courir longtemps maintenant. Mais longtemps à récupérer aussi, mais c'est une autre question. Voilà. J'ai beaucoup d'acier à forger. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Les dieux soient loués. Alors, lingot de fer 19. Voilà. Minerai de fer. Je prends aussi. Mmh. Et là, on va faire une petite téléportation à la casa. Je crois que j'ai dépensé quasiment 3000 pièces d'or là, non? J'étais à presque 21 000. Je suis à combien? Obligé. Ouais, c'est ça. On va dire 2600 pièces d'or, un truc comme ça. Mais bon, c'était quelque chose de nécessaire. Alors, divers, des bonites. Bah, je vais me débarrasser de l'objet. Ah, voilà. 46 lingots de fer. C'est parfait ça. Par contre, au niveau du poids, j'en ai quand même pas mal sur moi. Comment ça se fait? Je suis pas censé être à 306, mais plutôt vers 270. Ah non, le dragon, tu vas me laisser tranquille. Hein. Il faudra que je fasse le tour de mes fermes aussi. En armes, est-ce que j'ai un truc à dégager? La hache et bréchée, donc augmente les temps de forgeage du porteur et inflige 5 points de dégâts de fou. Quand ils disent augmente les talents du forgeage du porteur, c'est-à-dire. Parce qu'en fait, c'est ça qui me prend une partie du poids aussi. Ça, mort dragon, en fait, c'est pour ça que je commence à être plein. Il y a plein d'armes que j'utilise pas. L'armure d'os de dragon en exquis. Bah, je suis censé l'avoir sur moi. Ah oui. Ok, je viens de tilter aussi. Objet, alors tenue. Donc, l'armure d'os de dragon. La couronne de l'hiver Dreamer. Et j'avais pas mis les gantelets de cœur de forgeage visiblement. Le parasorti, c'est pas utile. Je ressemble à quoi là? Bah, il me semble que ça y est, je ressemble à ce que j'étais avant. Je suis toujours aussi plein en poids, mais peut-être en potion. Ah oui, c'est les potions de magie que j'avais prises aussi. Parce que finalement, j'en ai pas besoin. Alors, potion. J'ai fait le tour. ouais, ok, d'accord. En ingrédients, est-ce qu'il y a des choses à dégager? Non, ça serait marqué ingrédients si c'était le cas. Donc, ouais, il va falloir que je dégage, je pense, une arme. Dark de Draven, je peux pas, c'est à cause d'une mission pour l'instant. Mais on va faire dégager. C'est chiant en fait, merde. On va faire dégager celle-là. Voilà. Mordragon, on va la garder. Et les autres, on va les garder aussi. Mais ça, vivement que je m'en débarrasse. Ok, donc objet, arme, et là, voilà, tac. Par contre, je crois qu'au niveau de mes armes, elles étaient déchargées, non?
Et une qu'il est un peu bientôt. Ok. Du coup. Journal. Donc ça, c'est la quête principale. Une légende interdite. Donc enquêter sur la légende de Goldur. Familier de bord de ciel. Ah oui, ça faut que je vois effectivement pour la clôturer cette quête. On va faire peut-être une légende interdite. Pas de dragon s'il vous plaît. Ça a l'air calme, tant mieux. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh, intéressant. Des gourdes, des pommes de terre, des poireaux, lys de cime blé, du bleu, lys de cime bleu et du blé. Non, rien faire, je vais juste les prendre, merci. Donc là, ça on va le laisser tel quel. Quoi, je pourrais en planter plus ici en fait. Je sais pas. Et on va faire la même chose en ce qui concerne. La grotte de sang glacial. Parce que j'en ai mis plein là-bas. De toute façon, à chaque fois que je suis dans ce coin-là, il y a des emmerdes systématiquement. Là, visiblement, c'est pas le cas. Tant mieux. On va aller récupérer ce que j'avais planté. Il n'y a pas à dire, c'est impressionnant ici. Hein. Ah, regardez-moi ça. Récupérer pas mal. De toute façon, il n'y avait pas d'autre endroit où je pouvais en planter, je crois. Carte, hop, on va vite fait à la ferme de la toundra. Et je crois que j'ai une tunique qui permet d'augmenter l'alchimie. Ok, d'accord. Elle doit être là-dedans. Tenue. Ah non, c'est dans le coffre que je cherchais. Oula, je vais faire une connerie encore. Là, ah, visiblement, j'avais des livres aussi. J'ai une véritable fortune dedans. Il est passé où? Ah oui, c'est vrai. De toute façon, ça c'est surtout des armes. Ah voilà, ça devrait être plutôt vers là alors. Non, j'ai pas. À moins que ce soit sur moi, mais ça me paraît très bizarre. Ah si, là, putain. Oh, je suis débile. Ah, mais je suis débile.
Putain, mais je suis vraiment le roi des Mongolitos, j'avais tout sur moi depuis le début en fait. Du coup, moi, ça serait le. La couronne d'alchimie accrue, ainsi que le gant de cuir accru. Voilà. Je peux pas améliorer la capacité justement sur ça, pour qu'ils soient encore plus puissants. Le laboratoire alchimique. Donc là, ça va être de la restauration de santé. Ah oui, il y a de quoi, oui. 24 points par 60 secondes, restaure 30 secondes, 30 points de santé. Et ça, renfort de santé, c'est quoi? Ah merde, je me suis planté de touche. Bah, la même chose en fait. Dans les deux cas. Yes. Hop, on va poser potion. Waouh! Oui, d'accord. Bah, j'ai posé ces trois là. Bah, celle-là aussi. Les 7. Bah, ça, du coup, elles sont moins intéressantes. Restore 25 points de santé. Et là, c'est quoi? Ouais, largement moins puissante. Ça me fait gagner un peu de poids dans l'histoire, du coup, tout ça. Ok. Donc ça, ok. Et les ingrédients, c'était là-dedans. Du blé, il y en avait aussi. Ah oui, il y en a 43 encore là. Et des lisses de cime bleue. 35. Ah oui! Donc il y avait encore de quoi faire. Ok. Donc potion. Non, c'est dans l'ingrédient. Hop, voilà. Bon, bah cool. Allez, c'est parti. Il faut que j'aille où pour cette foutue. Oh, c'est beau. Pour cette foutue quête. Quand je suis sorti, c'est indiqué où? Par là-bas? Ah oui, d'accord, ici. On va aller à Istengrav du coup. Wow. Quel travail d'équipe. Oh, des grelots de la mort, cool. Attends, il avait pas un crochet lui? Ah non, c'est bon. Et il y avait elle aussi qui était décédée. Œuf de poisson carnassier. Bord de nécromancien. Toute façon, c'est que des choses qui dégageront lorsque j'aurai le reste. D'accord, les papillons sont buggés. Bah, je prends. Hein. Bon, je te pique, toi aussi je te pique, toi aussi, ouais, cool. Il y a encore des grelots de la mort là. Un vrai champ en fait. Il y a même de l'un et l'autre là-bas. Pourquoi mon cheval il est là-haut? Oh, je sais que mon gel avait planté, je pouvais plus bouger. Bon, qu'est-ce qu'on a encore ici? J'ai eu le coup d'un cheval volant, je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui me suivaient à l'époque sur Oblivion. Pratiquement au début du jeu aussi. Donc Ustengrav, j'ai déjà fait un tour ici. Ou alors soit j'ai découvert et je l'ai jamais looté l'endroit, ce qui est largement probable. Oh, voilà. Soit je l'avais déjà looté et visiblement je peux le refaire. Malachite raffiné, sympa. Bon, la potion de son léger, ok.
On a fait le tour. Mais on vient pas là pour ça, de toute façon. Nous, on vient pour là-bas. Ah, bah encore des grelots de la mort. Allez, go. Et mon cheval. Bah, mon cheval, il vole toujours. Ok. Puis c'est moi, attends. Je sais c'est quoi le titre de mon épisode, ça va être un truc genre Lucille in the sky with my mon cheval, un truc comme ça. Ça rime, c'est drôle, et en plus c'est une référence à peu près directe à une musique des Beatles, si je me souviens pas. Si je me souviens bien. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Bon, on y est ou pas? Ah non, pas encore. Ah. Ah, mais t'es là, toi. T'as quelque chose en plus? Non, ça, je vais pas le prendre. Par contre, toi, depuis tout à l'heure, tu veux me tendre une embuscade, hein? Pourquoi je t'ai pas vu venir? Oh, on a une petite cabane ici. Bon, allez, on va y jeter un oeil. Le sort de yop top budget, là, que j'ai vu tout à l'heure, franchement, on n'en prenait pas. Prenez du vrai yop. Ça a le même goût. Par contre, une fois que vous avez avalé votre gorgée, il y a une sorte d'arrière-goût bizarre qui vient, c'est dégueulasse. Ça laisse un très mauvais goût dans la bouche, c'est... Ah, je recommande pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Cabane abandonnée, nouvelle découverte. Je récupère tous les grelots, l'obscurcine. Tous les grelots, je les récupère. L'obscurcine aussi. Décidément, ça fait le plein, c'est cool. Alors, voyons voir cette cabane. Elle est bizarre quand même, la forme est bizarre. Ça me dit rien du tout cet endroit-là. Cas abandonné nécessite une clé. Oh merde, c'est chiant. Il n'y a pas d'autre entrée. Ok, bon bah écoutez, on va finir notre trajet vers la grotte. Mon cheval m'a pas suivi. Lydia, si elle est toujours avec moi, bah elle l'est plus. Ah mais toi. Voilà, non mais oh. Donc on se situe actuellement juste en dessous de solitude, je crois, non? Ouais. C'est un endroit, je crois, où j'ai pratiquement jamais mis les pieds. Ça se trouve, il y a des choses intéressantes. Bon, il y a un truc ici, on va aller jeter un coup d'œil. Puis on va repartir en arrière. S'il y avait quelque chose à une époque, ça n'y est plus. Voilà, au moins le problème il est réglé. Bon. L'endroit où je dois me rendre se situe juste sur ma gauche là. Un peu en contrebas. L'entrée doit être au niveau de la paroi rocheuse, je pense. Ah non, il y a un camp carrément. Personne de vivant dans le camp? Ah bah tiens là toi. Bah écoute, on va s'arrêter là, hein, au prochain épisode, on va voir ce que nous réserve cet endroit. Je suppose que le journal va nous emmener ensuite dans le tombeau qui est juste sur notre gauche et puis que plein d'aventures nous attendent. Hey, hey. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à la commenter, la vidéo du coup forcément, à vous abonner, à mettre un petit like et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, chaton, c'était Looping, bye bye.